L'Alliance, elle utilise ses top mécaniques, les sombres fers, des sombres fers, pour faire entrer et sortir des troupes de Zalamar. Ces engins, il faut s'en débarrasser, sinon on ne pourra pas utiliser Zalamar comme base avancée pour attaquer le gros de la flotte de l'Alliance. Détruisez ses tops, puis allez voir Rokkan à Zalamar. Il essaye de retrouver la trace du général de l'Alliance. Détruisez 4 tops mécaniques. Ouais. On a appris que Télamon, Sancte Force, qui dirige cette attaque, il peut créer des doubles de lui-même pour nous affronter. Deux Andalari ont proposé leur aide pour combattre ces images. Veillez à ce que le féticheur Kejabu et Joshanga ne se fassent pas tuer. La destruction de ces étranges images devrait suffisamment affaiblir Telamon pour vous permettre de l'éliminer avec Rokkan. Éliminer l'image miroir de Telamon. Azumamar. Ok. Nous survivrons. Bon. Le fameux stop. Okay. Moi je suis interrompu, logique. C'est vrai qu'avec cette purée de poids, on galère un petit peu, hein. Il faut absolument mon marcheur là parce que... Ok, il me reste une dernière top à flinguer. Ah, donc il y a l'image miroir déjà, ça on peut se le faire maintenant. Excusez-moi. J'ai pas eu le temps de couper mon micro cette fois-ci pour tousser. Désolé. Ah ok, il y a une seconde image ici. Il me manque une top.
là. Ok, il ne me reste plus que 4 soldats à tuer. 3 soldats à tuer. Il y a l'air d'en avoir un là-bas qui doit m'approcher. Ok. Oula, c'est pas là. C'est vraiment profond comme truc en plus. Ok, d'accord, super. C'est en bas, enfin. Bon, alors ça par contre ça va pas être cool. J'ai des... J'ai un faux mort en fait qui... Ça c'est le genre de truc qui est chiant dans le jeu. Je vous écoute. Ok. Alors pourquoi par contre on s'est retrouvé dans ce trou là? Bon, hop, on rend les quêtes. Restez à l'écart du vaudou. Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. Surveillez vos arrières. Ouh, 1000 désirites. Ok, élimination de Talamon. Talamon, le porteur de lumière qui commande cet assaut. Il est dans la grotte direct. C'est... Ok, non, c'est une joueuse. Ok, d'accord. Je me demandais pourquoi. Le porteur de la lumière, qui est nécessaire de grader seul. Une fois qu'il sera mort, on sèmera la pagaille dans les rangs de ses troupes, histoire de pouvoir atteindre le rivage et de nous occuper de l'Alliance. Et avec un peu de chance, on trouvera aussi la source de ce brouillard pour la détruire. Nous trois, on prendra... la mode par surprise dès que vous passerez à l'attaque. Il sortira pas vivant d'ici. Restez à l'écart du vaudou. Ok. Alors, je prends mes précautions.
Normalement, ça devrait le faire. Non, tu n'as pas accompli ta mission, tu as échoué. Et tu as échoué même lamentablement. Alors, je n'ai pas pu lire dans l'action. Hein. C'est toujours chiant qu'il y ait des gros dialogues quand on est dans l'action. Donc, eh ben, je vous laisse lire et moi je lirai pendant le montage. Parce que là, voilà. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Allez, 1000 d'azérite supplémentaires. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut nous attaquer au gros des troupes de l'Alliance. Dans la tête de pont et dans les parages. Je sens que le vaudou maléfique à l'origine de ce brouillard. Il est tout près d'ici. La princesse Talanji, elle voudrait sans doute qu'on détruise ce mojo vite fait. Si vous voulez, je peux nous faire sortir de cette grotte en moins de deux. On pourra ensuite rejoindre la princesse et Rakira pour mettre fin à tout ça. Accompagner la princesse Talanji et détruire la flotte de l'Alliance. Revenez me voir si vous avez besoin d'elle. Ok, c'était la mauvaise quête qui était ciblée, c'est pour ça que je me suis barré un peu. Ok. Ok, d'accord. C'est la fameuse arme qu'on avait utilisée qui a été dérobée. Alors ça c'est inquiétant parce que ça veut dire parce que si ça a été volé dans la salle du trône, enfin dans la salle du trône, dans la salle des trésors de Kul'Thalas, ça veut dire qu'on a des traîtres, au moins un traître à Kul'Thalas. À Kul'Thalas, à Zul'Dazar. À Zul'Dazar. Le sceptre vicieux, bah oui, il est là. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Je suis prêt à affronter l'Alliance. Récupérons le sceptre. Zandala résistera. Ça sent un piège. Ah bah on y voit déjà plus clair. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. J'ai un mauvais pressentiment. Pourquoi ils ont fait lever le brouillard s'il n'y a pas de navire à cacher? Ça n'a aucun sens. À moins que... ils voulaient qu'on soit en Azmir. Ils nous ont bernés. Mon père est seul pour défendre la ville. Oh merde. Les serpents de l'Alliance. Notre foyer est assiégé. Retournez en Zul'Dazar immédiatement. Oh putain, on s'est fait berner par une diversion à la con.
Ah, la diversion de merde! On a envoyé quasiment toute notre armée ici, on a laissé Zuldazar sans défense. La ville ne tombera pas. Oh putain! Je sers Baku, un des plus anciens. Ah la vache! Ok, ok, bien joué. Là j'avoue, on s'y attendait pas. Ouais, c'est la violence, hein. Merde. Faut que je rende la quête ici. Parce que juste, ça l'avait pas chargé. Zandalar pour toujours. Vengeance. Ils s'en prennent déjà à Zuldalar, mais Stugé prennent la fuite et l'Alliance envahit nos rues. Les éclaireurs de Rakera affirment que c'est Jaina Porte-Vaillant en personne qui mène l'assaut. Son engeance maudite et elles paieront cette agression contre notre peuple. Rassemblez vos alliés et repoussez l'Alliance. Nous devons protéger mon père et anéantir nos ennemis. Triompher de Jaina Porte-Vaillant lors de la bataille de Dazaral. Puisse Bon Samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Ok. Non, j'avoue, le coup de... Vraiment, de en plus, parce qu'il y avait masse armée quand même à... À Nazmia. Oh, on a foncé tête baissée. Moi-même, honnêtement, j'ai pas vu le truc venir, hein, honnêtement. Hein. Je me suis un peu spoilé le scénario, mais pas trop, en fait. Donc, je sais pas vraiment comment ça se passe. En fait, je suis en train de remonter, mais je sais même pas où faut aller. Mais attendez, je... Quête acceptée, la bataille de... Ok. Ok, donc il faut que...
Purée, ok, d'accord, excusez-moi. Il y a un raid à faire. Ok. Excusez-moi, excusez-moi. Voilà, c'est pas clair. Hein. Honnêtement, on est tous d'accord pour dire, je pense, que ce n'était pas clair. Donc c'est un raid à faire. Alors le problème c'est que voilà, on a déjà eu ce genre de choses où en fait il y avait un raid à faire, mais le truc c'est que bah, il n'est pas faisable, enfin c'était pas faisable en solo. Alors j'espère que là c'est faisable en solo. Non, il est en hauteur. Je suis au mauvais endroit. Bon. Ce raid. Il est là. Est-ce que je peux le soloter? Ah, ah. Visiblement non. Je... Et j'ai même rien qui s'affiche en fait. J'ai rien du tout qui s'affiche. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Là, je sais pas trop. Je pense que je peux pas le soloter. Vu que c'est un raid, je crois qu'il faut forcément être plusieurs. Mais c'est un peu con comme... Il est juste... parce qu'il me stresse. Moi. Je m'attends à ce qu'il m'attaque à tout moment. Donc... Alors, ramasse. Là, je vous avoue, je suis un peu gêné. Attendez, ça s'appelle... Dazar, alors. Ok. Coincé. J'ai un doute, pas grave. Coincé. Pour la bataille de Dazar. Alors. Le thé de mon peu, il est pas passé, mais c'est pas grave.
Bah écoutez, une demi-heure. Bah écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là pour cette session de tournage. Est-ce que je vais faire, est-ce que si on est deux, ce sera suffisant, je l'espère. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à Zary de me de grouper avec moi et on va le faire ensemble. Je pense que ce sera plus simple. Je vais demander là ce soir. Et puis bah on se retrouve là. Bah, pour moi, je tourne demain pour ça. Parce que là on est en week-end, donc j'ai le temps de tourner. Et de toute façon, voilà, on arrive à la fin de cette session de tournage. Donc et bah, on se retrouve donc, pour vous dans un instant ou à l'épisode précédent suivant. Pour ce raid que je ferai avec Zary. J'espère que ce sera suffisant à deux. Je vais en parler avec lui et puis on verra bien. À plus tard. Et désolé pour le coup dans le micro sur la fin. Ah ok, excusez-moi, ça fait 30 secondes de blanc que vous avez. J'essaie de couper de toute façon. Je suis à... Voilà, je viens de constituer un groupe en recrutant dans le World FR parce que malheureusement, ben, Zary a pas répondu à... Ça fait... Enfin voilà, à mon avis, il a plus de téléphone. Donc on est... Voilà, je suis avec des gens du chat FR. Voilà. Ah, d'accord, il y a une cinématique. Commandant, là! Ils font droit dans nos filets. Allez, allez! Ces balistes seront bientôt à portée de tir. Continuez d'avancer, capitaine. Oui, amiral suprême. Dame Port-Vaillant, la mission est une réussite. Nos agents infiltrés ont évacué la zone. Merci, maître espion. Grand bricoleur, êtes-vous prêt? J'activerai notre surprise dès que nous serons à portée. Feu. Attendez. Attention! Grand bricoleur! C'est bon! Notre flotte. Allons-y pour l'alliance. Ok. Bon, comment dire, on trace ça. Sont débarqués au port. Elles se répandent en sous le hasard aussi vite que la peste. J'ai pas invoqué mon marcheur. Oh, c'est quoi cette... Ah d'accord, ok. Tout ce qu'on peut, princesse. Occupons-nous d'abord de ces nains sombres fers. Mais c'est méga chaud.
Oui. Je vois personne de mon groupe. Personne de mon groupe et en plus les mobs ils ont masse vie. C'est l'enfer. Est-ce qu'ils sont encore bloqués, eux, dans la cinématique ? Ouais, alors ça, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Si, c'est bon. Écoutez, hein, ce qu'on va faire... C'est que je crois qu'on va essayer de passer en force. Mais pour les boss et tout, mais je vais pas y arriver. Écoutez, je tente un truc. Ça ne servit à rien, je suis trop loin. Ouais, puis là, je vais en mourir pour rien. Parce qu'en plus, je n'ai pas réactivé ma pierre d'âme, résultat. Non, c'est mort. Qu'est-ce que... Mais putain! Mais c'est quoi cet enfer? Comment je vais faire? Ah, ok. Bon, on a déjà un. Oh merde! Oh ça va être. Oh ça va être chaud! Donc, on va... bon, écoutez, je pense que je ferai des coupes.
Toc 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 toc. Toc toc toc. Qu'est-ce qu'il me disait? Oui, bah oui, bah oui, j'ai pas le temps de réagir. Ça va être l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Aïe 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 aïe. Eh ben, ça va durer 5 épisodes. Oh putain! Oh, puis il est démoniste aussi, lui. J'ai aucune chance. On a zéro chance. Heureusement que nos... Aïe 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 aïe. Ah ouais, d'accord, ok. T'es comme ça toi en plus. Ok. Les meilleures affaires, c'est ici. Oh purée. Comment on va faire? Ah, c'est fait chier. C'est pas possible, pourtant je suis en... Plus, enfin, je veux dire, on est en normal, quoi. Putain, désespéré. Ah, ah, ah. Ils ne peuvent pas rejoindre notre groupe. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, faut les TP. Bien sûr, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. Faut les TP. Oh, ça va être l'enfer. C'est 20 minutes, 20 minutes qu'on progresse pas. Oh, il y aura des coupes.
Là, il y aura des coupes, c'est sûr. Oh, c'est en refaire. Bah qu'il me wisp Edelman là Elder Knight. Allez. Hop. Invité. Voilà. Ok, on est 5. Je suis désolé, hein. Franchement, je suis désolé. Oh, il s'appelle Toshiro en plus. Ok, super. Je... c'est... Pour que je progresse dans l'histoire. STP. Putain, ils se barrent tous! J'en peux plus! J'en peux plus! Au secours! J'en ai marre! C'est enfer! Ok, oh, super Toshiro! Oh là 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 là. Toshiro, cet homme. Cet homme qui va me demander de l'aide. Au secours. Oh merde. Ça fait combien de temps que je record? Ça fait 23 minutes que je record, j'en peux déjà plus. Déjà que j'ai démarré méga en retard, qu'est-ce qu'il fout, Harry? Harry, viens nous sauver, par pitié. Oh merde, tant pis, je recorde tout et puis je ferai des coupes. Hein. Mais là, c'est l'enfer. Donc voilà, je vais éviter de parler les moments où ce sera coupé et puis c'est tout. C'est quoi ça? Ok, c'est Magicold. Il nous lâche pas. Magicold qui nous lâche pas. Qui est là jusqu'au bout. Voilà, il est parti pour être là jusqu'à 22h ce soir. Cet enfer! Oh non! Et les potes de Toshiro qui nous lâchent! Les potes de Toshiro qui nous lâchent! Aïe aïe aïe! Le coup dur!
Bon. Merci. Quand même. D'avoir essayé. On va essayer. S'en sortir. Ah, au secours. Il va nous en falloir. Oh merde. Aïe 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 aïe. Toi, allez, je te demande même pas. Ils ne peuvent pas rejoindre notre groupe. Il est déjà dans un groupe. Livre. Non, c'est pas ce que je voulais. Chuchoter. Hello. Oui. Can. Merge. Attends, comment ça, 307? Et mon niveau d'objet, c'est 393? Parce qu'il prend pas en compte le cœur d'Azeroth. Enfin, le cœur d'Azeroth, il est mal calculé. Il est absent, Herb Guy. Oh, ce sac à merde. Pardon si tu regardes cette vidéo, mais sérieusement. Bon, je coupe, je vous reprends quand on aura un groupe. Bon, changement de stratégie. Alors par contre, Magicole, t'es un mec en or quand même de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Malheureusement, donc on a dissous le groupe. On a dissous le groupe et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tagué et en fait ouais le mince. Bonjour Red. En fait le voilà c'est le c'est le niveau moyen du groupe qui était pris en compte. Finalement, voilà, j'ai rejoint, donc j'ai tagué en fait, hein, dans les raids, et on verra bien si ça marche ou pas. Ce que je vous propose, c'est que voilà, hein, bon, on est coincé sur ce plan-là. Donc on va voir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques autres quêtes. Je sais qu'il y a, voilà, il y a d'autres quêtes qui traînent par-ci, par-là. On va faire ça en attendant que, je vais faire d'autres quêtes en attendant que ça proc. Voilà. Et puis, ben, si Zari veut bien nous rejoindre, on... Voilà, hein, il est le bienvenu. Mais ça fait... Enfin, voilà, ça fait une journée qui m'a pas répondu, donc voilà. Bon, c'est parti, hein, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. En tout cas, merci Magicold. Honnêtement, voilà. T'es un mec en or. Bon, après ce rage, et il est déjà 16h, putain. J'ai plus que 2 heures de tournage. 2 heures de disponible. Je me demande si ça vaut vraiment le coup. Mais bon. On va voir un petit peu les autres quêtes, comme je vous dis. Bon, cette quête-là, je la trouve pas. On va voir, hein.
honnêtement, je voilà, j'essaie de progresser, enfin j'essaie de trouver du contenu. Cet épisode de purée là, là. Oh mon dieu, tu es moi quoi. Là, il y avait une quête ici. Il y a une quête là. Elle est où? Mais c'est hallucinant. Sur la carte, ça me marque qu'il y a des quêtes. Plus de fil en aiguille. Ça a l'air d'être un truc avec la couture. La couture, c'est ici. Mais j'ai aucun PNJ qu'à un point d'interrogation. Je ne vends que des biens de premier choix. Ici, je connais. Vous voulez quoi? Gaffe à ce que vous dites. Lol, c'est tout? Je t'ai donné 10 pièces d'or et puis c'est marre? C'est... Ah non, ok, d'accord. Il y avait une... Salut. Que Gianni vous porte chance. Ok, ça c'est bugué. Je sais même pas si j'ai perdu mes 10 pièces d'or, résultat. Bon. Ça fait chier. Bon, je trouve une quête, je vous reprends, mais c'est vraiment l'épisode de l'horreur, hein. 40 minutes pour ça, quoi. Voilà. Bon. Donc on est reparti sur un truc, là. Voilà, je suis au saut. Et donc, par parole de rôle, mes espions m'ont fait part de pratiques hérétiques menées dans notre temple sacré à Zanshul. Le roi, il a envoyé Loti et Ral sur place pour s'en occuper, mais ces deux membres du conseil ne sont pas assez sévères avec leur discipline. Nous aurions besoin d'une présence plus impitoyable dans sa neutralité. Aller rejoindre la druidesse de guerre. Ok, donc on repart sur une quête. Votre puanteur. Sur une quête un petit peu en comme on avait au tout début de Zandalar, c'est-à-dire apparemment un groupuscule religieux qui voilà qui fout la merde en Zandalar. Donc on va faire ça. C'est là-bas. Voilà, on va tuer le temps en fait, le temps de pouvoir voilà. Alors il est possible, parce que je vais essayer de faire ce raid aussi en soirée, que j'enregistre en fait et que je parle pas, parce que tout simplement on sera le soir quoi, on sera même peut-être la nuit. IRL j'entends. Et donc, j'aurais pas forcément mon micro de brancher, j'aurais pas forcément, voilà. Donc, dans ce cas, je post-commenterai, je trouverai des solutions, Mais c'est vraiment la merde, là. Je vous avouerai. Je sers Gonk, le maître de la métamorphose. Vous n'allez pas tarder à mettre les pieds en terre sacrée. On peut dire que vous tombez à pic, MDG Normand. J'ai justement besoin d'une arme dans votre genre. D'après les espions de Yasma, des sectateurs sanguinaires ont infiltré nos rangs. Le roi Rastakhan, il m'a chargé de démasquer et de tuer tous les trolls qui pratiquent la magie du sang. Prenez ce totem, débusquez les coupables qui empestent la magie du sang. Et débarrassez-en le sanctuaire. Quand ce sera fait, allez faire deux mots de. Allez dire deux mots de ma part au seigneur des Maléficrales. Se tire au flanc. Il faut qu'il redescende sur terre et qu'il se décide enfin à travailler. Trouver et tuer 9 sectataires. Crois-moi-y sur la terrasse. Père, le seigneur des Maléficrales, il se trouve à l'autre bout de la terrasse. Pensez à lui dire du mal de ses ancêtres de ma part.
Loué soit le Loa des rois. Voler avec Pakku. Que Rezan vous donne la force. Vous avez besoin de protection. Parlez, et les lois vous écouteront. Parlez, et les lois vous écouteront.